Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Je suis là pour vous faire une petite session, une vidéo sur les gammes, scales, maqamat, ce que vous voulez. Pour moi, trois mots ont trois différentes langues qui veulent dire exactement la même chose. Régimenter, définir un accord. Définir et régimenter un accord veut dire que une gamme vous dit quand un accord, où un accord commence et où il s'arrête. Et aussi, ça définit ou ça régimente un peu les écarts ou les intervalles entre ces notes. Quand on dit un accord, vous savez très bien qu'il y a des accords majeurs, des accords mineurs et des accords septièmes. Alors, moi, les trois grandes familles, grosso modo, des accords. Donc, il y a forcément des accords, des gammes majeures, des accords mineurs. D'accord, septième. D'accord, des accords septièmes. D'accord. Donc, alors je viens de vous démontrer trois gammes. Une gamme majeure. Et je vais rester un peu sur la gamme majeure. Alors la gamme majeure, et c'est vrai pour toutes les autres gammes, ce qui est important de savoir, c'est que l'information ne fait que se répéter. Donc, vous pouvez jouer la gamme majeure. Ici, ici, etc., etc. Une gamme, il faut savoir que ça peut être joué verticalement, comme ça. Peut être joué horizontalement, comme ça, peut être joué latéralement, comme ça. Ça peut être joué verticalement, horizontalement et latéralement. D'accord? C'est la même information qui se répète. C'est vrai pour toutes les autres gammes, que ce soit une gamme mineure, une gamme majeure ou une gamme septième. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, une gamme est très facile à apprendre, mais pas tous les bons guitaristes du monde connaissent toutes les gammes du monde. Ça serait impossible, hein? Franchement, ça serait impossible. C'est comme dire qu'il y a un mec qui parle l'arabe et qui connaît tous les mots qui existent dans le dictionnaire arabe. Makaynesh. C'est pas presque, c'est impossible. Maintenant, je voudrais vous dire que la gamme est très facile à apprendre, mais que la gamme vous donne une information. Cette information est vitale. Il faut l'utiliser pour traduire une émotion. C'est-à-dire que. Bon, je vais vous montrer un exemple. Alors, 1, 2, 3, 4. On a cette truc qui tourne et je ne vais pas m'amuser. Donc, on a ce truc qui tourne et je ne vais pas m'amuser à faire. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Donc, il faut que je joue un truc qui va mettre mes émotions dans le truc. D'accord? Et pour ça, je vais utiliser la gamme plus d'autres techniques. Les autres techniques que tout le monde connaît, bending, hammer-on, pull-up, pinched harmonic. Tout ça. Donc, c'est une combinaison de deux choses en fait. C'est une combinaison de l'information mélodique et de la façon de l'attaque. D'accord? Plus beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire la rythmique, etc. Mais, alors, je voudrais souligner ce truc.
La connaissance harmonique et mélodique de la gamme ne suffit pas. Comme dit, c'est très important. Donc, ceci dit, quelles sont les gammes que vous pouvez apprendre au début pour pouvoir développer votre jeu? Eh bien, c'est simple. Moi, j'apprendrai la gamme majeure, la gamme mineure, la gamme septième. J'apprendrai aussi la pentatonique majeure, la pentatonique mineure, la gamme blues majeure, la gamme blues mineure aussi. J'apprendrai aussi une gamme que j'adore. Il y a la chromatique mineure, à deux moments. Alors, c'est ce que je ferai moi, d'accord? Mais à part ça, il y a d'autres gammes à apprendre, la gamme. Ils appellent ça une gamme semi-diminuée. Semi-diminuée, c'est une, ça a l'impression d'être, on a l'impression que c'est une échelle. Des trucs comme ça. Voilà, et comme je vous avais dit auparavant, en travaillant sa gamme, c'est-à-dire il faut aussi travailler l'arsenal de techniques qu'on a, genre. Donc il faut apprendre à jouer avec les techniques qu'on a dans son arsenal. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer d'apprendre les sons et les intervalles. Parce que une gamme majeure, par exemple, alors si on la met sur une ligne horizontale, alors on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On sait qu'entre le 1 et le 2, un écart. 2 et 3, un écart. 3 et 4, un demi-écart. 4 et 5, un écart, un autre écart, un autre écart et un demi-écart. Voilà, et c'est ça qu'il faut apprendre. La mineure, entre le 1 et le 2, un écart, le 2 et le 3, un demi-écart. Et c'est ce qui fait toute la différence entre la gamme mineure et la gamme majeure. La gamme majeure, la gamme mineure. D'accord? Voilà. La formation que je voulais vous donner sur les gammes. Attention, je voudrais vous signaler aussi qu'il y a un système américain qui a réussi à partitionner la guitare et que qui vous démontre des trucs à faire, comme par exemple s'arrêter ici ou bien commencer ici. Ou bien commencer. Ou bien. Oh. C'est ce qui fait par exemple que vous pouvez faire des trucs comme. Autre chose que je voudrais vous dire, c'est que je vous avais dit qu'il y a des gammes majeures, mineures, septième, blues, etc. Mais qu'il y a des accords coloriés comme ce qu'on appellerait des accords enrichis comme un septième, un neuvième, un sixième. D'accord? Alors la chose la plus importante à savoir, c'est que une gamme majeure
majeur septième va avoir une résolution sur le septième. Question d'accentuer un peu le septième, par exemple. Ah. Qu'il faut accentuer le septième. Si c'est le neuvième, on accentue le neuvième. Sixième, on accentue le sixième, etc. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Maintenant, vous avez l'information, vous avez le début d'information, comme je vous ai dit, et à vous de l'approfondir. Là où vous voulez être, vous pouvez l'être. C'est-à-dire qu'il faut, il faut juste essayer de chercher l'information, la travailler. Salam alaikum, subhanallah alaikum.